mesdames, messieurs, bienvenue à Samedi Magazine. Aujourd'hui, Pierre Lahaye nous parle de l'anthurium et de l'azalée. Isabelle Mailly nous conseille sur l'achat d'un ordinateur. Dans la cuisine, Francine Marchand nous prépare un bœuf Wellington. À Propolis, nous accueillons le père Marcel Lalonde, recteur à l'oratoire Saint-Joseph. Nous poursuivons avec l'astrologie en compagnie d'André Damour. Puis Claude Paca nous parle des cadeaux de Noël, des achats qui ont souvent une suite. Lucie Gauthier nous fait des suggestions de cadeaux de toute dernière minute. Claude Rioux nous présente un spécial de Noël. Louise Roy Descaries nous fait part des différentes activités qui se déroulent dans nos régions. Huguette Delvecchio nous montre comment fabriquer soi-même un centre de table, peut-être plusieurs centres de table. Et nous terminons en compagnie de Jean-Claude Fortier qui nous parlera bien sûr du mieux-être. On se retrouve après cette pause publicitaire. Encore un petit 2000 à dépenser, là, ça me tente d'acheter un ordinateur. Isabelle va vous conseiller comment se faire. Isabelle, si on veut s'acheter un ordinateur et qu'on ne s'y connaît pas vraiment, comme la plupart des gens d'ailleurs, il ne faut pas se leurrer, quelle sorte de question, comment on approche notre vendeur si on ne veut pas avoir l'air trop ignorant non plus puis pas se faire avoir? Comment on arrive dans un petit magasin? Ben, il faut d'abord se poser une question soi-même. Qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire avec un ordinateur? Mais vous ne pensez pas qu'il y a bien des gens aussi qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire avec un ordinateur? Oui, et ça, bon, ça vient avec, effectivement. Donc, un bon moyen de se donner des idées à ce sujet-là, c'est d'aller voir les logiciels qui tournent déjà sur les ordinateurs qui sont en démonstration, qui sont dans les salles de montre ou dans les boutiques comme telles. Il y en a généralement 4 ou 5 où on peut changer les logiciels parce qu'ils sont là pour que les clients viennent les utiliser, généralement. Et donc, on peut voir s'il est possible de dessiner, s'il est possible d'utiliser des jeux, s'il est possible de faire de la gestion si ça nous intéresse, ou enfin tous les logiciels qui sont disponibles. Maintenant, il faut faire attention parce que chaque ordinateur va faire rouler certains logiciels et il y aura des problèmes éventuellement de compatibilité d'un logiciel à l'autre, d'une machine à l'autre. Et donc, on ne trouvera pas nécessairement tous les logiciels pareils pour toutes les machines. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, maintenant, là, au lieu de penser aux clients qui posent des questions, est-ce que le vendeur ne devrait pas nous poser des questions, lui? Oui, il a aussi beaucoup de questions à nous poser. Bon, la question de prix est sûrement très importante parce que ça va donner tout de suite un ordre de grandeur. On se situe où, combien est-ce qu'on veut dépenser pour un ordinateur. Mais la chose la plus importante, c'est de commencer par le logiciel. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'appareil? Parce qu'il y a des appareils pour lesquels il n'y a pas de logiciel, par exemple, de jeu. Et ça va être considéré comme des logiciels de plus haute gamme, si vous voulez, où on va trouver des choses de gestion financière, de la comptabilité, des logiciels dits plutôt professionnels. Alors, si on sait plus ou moins ce qu'on veut faire avec l'ordinateur, jouer, dessiner, écrire, bon, s'en servir le week-end avec les enfants, ou plutôt travailler avec, c'est déjà deux catégories complètement différentes. Le vendeur est en mesure à ce moment-là de vous pointer quelques ordinateurs qui sont répondants à ces questions-là, donc qui peuvent vous servir correctement. Bon, c'est donc dire que ces ordinateurs ont des logiciels qui se ressemblent un peu. Oui, souvent on va trouver des logiciels. Comment on fait le choix? Il faut les essayer. C'est à peu près la seule façon de faire les choses. C'est un peu comme quand on achète une voiture, on ne va pas la regarder puis dire « bon, ben, je veux celle-là » puis on l'achète. Il faut l'essayer, ça c'est absolument essentiel. Aussi, surtout si on commence et qu'on ne connaît pas du tout le domaine, pour avoir une bonne idée, pour savoir sentir si on est à l'aise avec l'appareil, si on est à l'aise avec le logiciel. Parce qu'au début, c'est normal d'être un petit peu effrayé, d'avoir un peu peur. On n'ose pas toucher aux différentes manettes, on n'ose pas changer les logiciels, faire de la manipulation, de peur de casser quelque chose. Là, le vendeur peut nous aider, parce qu'on peut voir comment il fait et on peut lui poser des questions sur la façon de manipuler les choses, parce qu'il faut être à l'aise. Donc, en essayant les logiciels, on va en préférer plusieurs par rapport l'un à l'autre. Bon, il y en a un qui est plus compliqué, l'autre qui est peut-être uniquement disponible en anglais, ça peut poser des problèmes. Est-ce que ça peut jouer aussi question de goût? Ah oui, beaucoup. C'est comme un livre. Quand on va bouquiner pour en acheter un, il y en a qu'on n'aime pas. La même chose pour les logiciels. Il y en a qui vont être plus complexes, d'autres très très simples, d'autres qui auront des possibilités réduites. Donc il y a de tout sur le marché et il y en a des quantités fantastiques. Maintenant, lorsqu'on s'achète un ordinateur, bien sûr, à prime abord, on ne sait pas comment s'en servir. Effectivement. Alors,
comment, là, la journée de Noël, lorsqu'on le déballe, ce beau cadeau, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite répétition, si vous voulez, pour qu'on sache comment faire. Si on achète, par exemple, un petit appareil Apple IIc... Avec un magnifique emballage cadeau, que ça arrive. Alors, ben, on pourra éventuellement acheter un moniteur ou bien brancher un appareil sur le téléviseur. Parce que maintenant, c'est disponible aussi. Pas pour tous les appareils, mais donc généralement. Est-ce que ça endommage le téléviseur? Non, pas du tout. Non. Pas du tout, parce que ça vient avec un petit adaptateur. Donc, l'appareil vient avec un adaptateur qu'on branche tout simplement, un petit peu de la même façon qu'on brancherait le câble sur une télévision, en vissant et dévissant, tout simplement. Alors, l'appareil, comment on fait pour le brancher? Bien, on va remarquer qu'à l'arrière de l'appareil ici, on va voir automatiquement différents types de trous, de boutons, et de petites fissures derrière, sont là, ce sont les endroits où on doit brancher. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Il y en a beaucoup. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des petits dessins au-dessus. Et là, on reçoit des fils. Alors, le premier fil qu'on peut sortir d'une boîte, ça va être par exemple, ici, le fil qui relie l'ordinateur au moniteur. Il y a quelque chose là sur ce... Oui, il y a la photo du moniteur, il y a un petit dessin du moniteur, si vous voulez le tenir, je vais tenir le moniteur. On peut relier donc par ce fil-là le moniteur ici à l'ordinateur. Et sur le moniteur, on va remarquer qu'il y a aussi une petite image, on ne peut pas la voir parce que c'est beaucoup trop petit, là. Et mais ce n'est gravé, c'est ça, qui nous permet de repérer tout de suite l'endroit où ça doit se brancher. Mais croyez-moi, c'est là. C'est là pour vrai. Hein. Oui. Ici, il y a un bloc d'alimentation qui nous permet de brancher directement dans une prise de terre et de le relier à l'ordinateur. Donc, d'une part, on a le bout de fil, si je peux réussir à enlever tout le spaghetti, qu'on va brancher sur la même face arrière de l'ordinateur à un endroit qui ne sert qu'à ça. Et ça, c'est important parce que toutes les prises sont faites spécifiquement pour un type de fil, et donc on ne peut pas se mélanger. Donc on branche ce fil-ci de ce côté-là, et puis l'autre dans la prise arrière. D'accord. Donc comme il y a des petits dessins, c'est pas très compliqué. Donc ici, je pourrais le brancher directement sur une prise de terre. Maintenant, il faut pas oublier de brancher le moniteur, parce que lui, on l'a pas relié encore à une prise de terre, donc il peut pas être allumé. Donc ici, on a un fil qui est un fil en fait standard qu'on retrouve sur les machines à écrire électriques. Donc ça fait pas peur ça non plus. Exactement le même type de fil que je vais brancher ici derrière. Est-ce qu'il est mis à l'envers? Oui. Voilà. Comme ça. Et ça, donc, s'en va directement à une prise de terre. Alors maintenant, si on a une souris, là, on va remarquer, parce qu'il y a beaucoup de logiciels maintenant qui viennent avec des souris, donc qui sont adaptés pour utiliser avec des souris. Là, on va remarquer que la prise est un petit peu différente. La forme de la prise est quand même un petit peu bizarre. Eh bien là, ça entre toujours au même endroit, sur la même face de l'ordinateur, ici, un endroit qui est spécifique à l'utilisation d'une souris. Et on voit même, toujours sur l'entrée de la prise, le petit dessin de la souris, ou en fait du type de périphérique comme une manette qui peut être branchée. Maintenant, ces autres prises que je vois, est-ce que ce sera pour des périphériques, ça? Exactement. Comme si on voyait, on ne peut pas le voir, mais on pourrait avoir un deuxième lecteur de disque qui pourrait être connecté directement ici. On pourrait avoir un modem, donc qui nous permet d'entrer en télécommunication avec d'autres appareils qui seraient branchés juste à côté, ou une imprimante. Alors, résultat, c'est branché. Oui. Si je peux simplement le brancher derrière ici, on pourrait l'allumer puis faire fonctionner quelque chose comme ça, même s'il n'est pas installé de façon très élégante. On pourrait faire fonctionner quand même. Maintenant, Isabelle, il y a aussi... Bon, on a branché notre ordinateur. Maintenant, on veut s'en servir. J'imagine que ça vient avec une petite documentation et on nous parle un peu de... Oui. Généralement, la documentation est très bien faite. Et il faut la lire, malgré que ça puisse poser des problèmes éventuellement, parce que généralement, ça va être en anglais aussi. Oui. Quoique maintenant, ça change. Alors, il faut la lire au moins la première fois qu'on utilise l'appareil pour être en mesure de ne pas faire les choses à l'envers, n'importe comment. Parce et de s'en décourager également, parce qu'il y a bien des gens qui, en ne lisant pas les instructions, vont dire, ben, ça ne fonctionne pas, c'est difficile, et puis on c'est abandonne. C'est ça. Puis c'est un jouet qui est assez cher. Hein? Justement. Alors, il faut se prendre la précaution. Peine. Oui, la première fois au moins. Et puis après, ça vient tout seul. Oui. Parce que là, maintenant, moi, je branche tout ça sans même regarder, et c'est très possible de le faire. Alors ici, c'est exactement la même chose. Il s'agit de trouver les boutons. Mais je ne sais pas si on a le temps de montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Non, il s'agit tout simplement de dire, bon ben voilà, même dans la boîte, ça peut fonctionner. Je ne sais même pas si le logiciel est à l'intérieur, on ne le voit peut-être pas. Enfin, si tout est branché, tout fonctionne en principe. Donc, en résumé, savoir ce que l'on veut,
avoir un bon vendeur, d'ailleurs, on peut voir de la façon qu'il nous informe, les questions qu'il faut, si oui ou non, il s'y connaît. Et puis, ensuite, ça, faire un choix, notre goût. Merci ça venait, beaucoup. Merci, joyeux Noël. Tout ça venait de Microboutique. Joyeux Noël.